Le blanc. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Inès. Bonjour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous prends tardivement aujourd'hui, puisque ce matin, j'ai bossé, j'ai fait mon ménage, j'ai récupéré les enfants d'école. J'ai fait à manger, tout ça, tout ça. Et du coup, là, je suis sortie avec Inès. Elle n'a pas cours cet après-midi, puisque ce week-end, en fait, son anniversaire. Elle fait une pyjama partie avec ses copines. Donc on a préparé la petite liste, hein. J'ai prévu des activités, j'ai prévu de faire moi-même le gâteau d'anniversaire. Ça, ça va être quelque chose, il faut que je vous filme absolument. On a prévu de faire des pizzas maison, tout ça, un brunch aussi dimanche. Donc voilà, je pense que je vais tout filmer au fur et à mesure et vous partager ça si ça peut vous donner des idées. Donc là, on est arrivé devant chez Action, puisque je vais en fait leur préparer un petit panier pour que samedi soir, elles puissent se faire des petits soins. Donc voilà, let's go, on va acheter tout le nécessaire et puis on vous embarque avec nous. Bah on est, vous êtes quatre. Je prends les mêmes ou je prends des différents? Je sais pas, ils sont pas terribles ceux-là, non? Ils sont trop beaux. T'aimes bien? Oui, parce que les autres ils sont tout simples et ceux-là ils sont grave beaux. Bah vas-y, prends ce que tu veux. Ok, bah je prends les... J'en prends quatre. Voilà. On prend pas un caddie? Tiens, tu mets dans le sac. Obligé de m'arrêter dans le rayon boîte de conservation. Donc pour toutes celles qui me demandent quelle boîte j'utilise dans ma cuisine pour conserver mes aliments, ce sont celles-ci. Voilà, donc il y en a de différentes tailles, différents prix. Ces boîtes-ci, ce sont celles que j'utilise pour les rangements des cahiers d'activité pour Eden. Donc ce sont des vidéos que je vous ai déjà partagées sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc moi, j'utilise les transparentes et les blanches. Je les utilise également pour ranger mes produits ménagers sous mon évier. Donc ce sont celles-ci à 2,99€. Autant chez Action, je kiffe les boîtes de conservation, celles-ci, celles-ci et celles pour ranger les chaussures. Mais par contre, toutes les autres, toutes celles-là, là, je trouve qu'elles sont pas bonnes. Je trouve pas. Ouais, je trouve que le système de fermeture est nul. Moi, j'irais plus celle-là. Comme ça, ça va avec notre bandeau. Mais il y a déjà une bonne dedans. Je sais pas ce que ça vaut les masques, hein, Inès. Ou alors on peut les prendre. Ils sont grave bien ceux-là. Ça, je suis pas. J'essaie de prendre un truc qualitatif quand même. Ouais, je sais. Ceux-là, ils sont grave bien. C'est mes masques préférés chez Action. On te va? Ouais. Bah vas-y, hein. Je prends tout le temps. En plus, c'est sur le thème de Noël. J'ai tout. Tu sais que j'ai tout. Hein. J'ai un cookie popcorn et tout. J'ai cupcake, cookies. Bon, bah vas-y, prends-en. Ok, je prends plein d'épices. Ça et. Il y a celui-là, il y a celui à la pastèque, mais il n'est pas là. Là, au kiwi? Ou à la noix de coco? Non, on prend au kiwi plutôt. Il est beau, le kiwi. Kiwi? Ouais. T'en prends qu'un? J'en prends combien si tu veux pas venir. Mais prends-en un autre au cas où si elles veulent pas kiwi. Ah. Bah du coup je prends notre coco vu qu'il n'y a pas le pastèque. Comme tu veux, choisis les bougies que tu veux. Ça dépend ce que tu préfères. Moi je préfère les nombres, mais bon après c'est à toi, c'est toi qui vois. Ouais, moi aussi. Mais après les nombres, couleur orange, c'est pas top. Hein. Ouais, moi je préfère cela quand même en fait. Comme tu veux. Ouais, on prend cela, c'est bien. Allez, après avoir acheté tout le nécessaire pour l'anniversaire d'Inès, on passe chez Lidl. Regardez-moi ce qu'elle mange. C'est dégueulasse. C'est trop bon. Ah, montre-moi ta langue. Oh. Bon, allez, let's go. On va acheter le nécessaire pour les repas. On va chez Lidl. Alors les amis, du coup, je vais vous faire le retour de course. Donc tout ce que j'ai pris chez Lidl et chez Action pour l'anniversaire d'Inès. On commence par Lidl. Donc j'ai pris deux bouteilles de Fusti, puisque je sais que les filles adorent l'ice tea. Une bouteille de coca, deux bouteilles de jus d'orange pour le brunch que je prévois de faire dimanche matin. Un sirop à la grenadine. Ici, Inès a choisi des chips comme ça. Donc elle a pris des tulles saveur crème oignon. Deux paquets de farine. Un paquet de café, du beurre, j'ai également pris ici de la levure fraîche. En fait, pour être honnête avec vous, à la base, j'étais partie pour tout faire maison. Que ce soit le gâteau d'anniversaire, la pâte à pizza, franchement, voilà, faire un maximum fait maison. Sauf que je me suis dit, pourquoi je m'épuisais pour rien? Parce que franchement, enfin, pas pour rien, mais
Voilà, je vais m'épuiser, je vais pas pouvoir tout faire, gérer la déco, gérer les activités pour les filles, gérer les différents repas et tout ça. Franchement, je vais me fatiguer. À la fin du week-end, je vais être KO. Donc, Inès a trouvé de la génoise comme ça, déjà toute faite chez Lidl. Et c'est elle en fait qui m'a dit, mais maman, pourquoi tu te casses la tête à faire le gâteau maison? Prends ça et puis ensuite, nous, on fera le garnissage, on fera la crème et on décorera comme on en a envie. Et effectivement, je me suis dit que oui, c'était plutôt une bonne idée. Donc, voilà, ça va me faire gagner énormément de temps. Idem pour la pâte à pizza, là-bas j'étais partie pour la faire maison, mais j'ai trouvé celle-ci chez Lidl à seulement 1 euro, donc du coup j'en ai pris 8, vu qu'on sera 8 tout le week-end. Donc moi, les enfants, Olivier et puis les amis d'Inès. Donc moi je découperai les différents ingrédients et puis ce sera également une activité avec les filles. Donc voilà, chacune préparera sa pizza comme elle le souhaite, avec les ingrédients qu'elle veut. Donc voilà, j'ai pris 8 pâtes à pizza. Donc j'ai pris du beurre, j'ai pris du fromage de chèvre, puisque je sais qu'il y en a deux d'entre elles qui adorent les pizzas quatre fromages. Donc voilà, j'ai pris du chèvre, j'ai pris de la mozzarella, des pâtes, de la mascarpone pour le gâteau, donc de la levure fraîche, ça aussi c'est pour la crème pour le gâteau, donc crème entière. Qu'est-ce que j'en étais où? Je m'y perds avec tout ça. Du colorant alimentaire, puisqu'on va faire des meringues. Donc, je partagerai la recette en fin de vidéo. Des champignons blancs, des yaourts. Donc, ça, c'est pour nous. Elles feront également un petit apéro avant de manger les pizzas. Du coup, Inès a choisi ça. Voilà. Ensuite, on passe à action. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rien du tout? C'est pour l'anniversaire d'Inès. D'accord. Alors, laisse-moi terminer de filmer et puis je te montre. Et puis, je t'en donne un. D'accord? Ok. Du coup, chez Lidl, j'ai également pris ce magnifique bouquet. Déjà, moi, j'adore les fleurs de base, mais je vais également m'en servir pour le gâteau d'anniversaire d'Inès. Donc voilà, je l'ai trouvé très très joli. Il était à seulement 10 euros, donc je me suis fait plaisir. Sinon, chez Action, alors, attends, chez Action, j'ai pris des petites brochettes en bambou. Donc ça, c'est pour faire du... comment ça s'appelle, là, le poulet qu'on a mangé en Thaïlande? Enfin bref, je vais faire des. Si j'arrive à vous retrouver le nom, je vous le noterai. Mais là, j'ai des pertes de mémoire, je suis fatiguée. Il y a ça aussi. J'ai pris des gâteaux comme ça parce que ça, c'est trop trop bon. Ils les font chaque année pendant la période de Noël chez Action. Donc chaque année, j'en prends. Oui, Eden, on a ça. Mais ça, c'est pour les filles, Eden. J'en ai pas prévu pour toi. C'est Inès qui a choisi. Donc c'est des espèces de sucettes. Je sais pas. Franchement, c'est des trucs voilà, Ah, c'est que des les enfants aiment bien. C'est ici. C'est court. Yang. Ah ouais, ok. J'ai également pris des petits bracelets comme ça parce qu'elles ont prévu de faire un karaoké. Des bonbons comme ça, donc ça c'est pour Eden. Je leur ai pris donc des trucs comme ça puisqu'elles vont faire une soirée soins également. Donc je leur ai pris plein de masques. Donc masques pour le visage, des masques pour les lèvres et tout ça. Donc j'ai essayé de prendre la meilleure compo possible. Il y a également de très bons produits hein, chez Action. Donc ça ce sont en fait des masques qu'Inès a l'habitude de prendre. Elle a également pris deux exfoliants, donc un au kiwi et un. Et elle en a également pris un à la pastèque. On a pris des bougies, donc on est parti sur quelque chose de simple. Il n'y en avait que des bleus. Inès ne voulait pas des trucs trop trop colorés. On a également pris des Twix, donc ceux-là sont très très bons avec du caramel et du sel. J'ai pris une cartouche d'encre pour mon imprimante, du Tipex. Ici j'ai pris des, comment ça s'appelle, des graines comme ça. Donc ça c'est pour mon pain. Le pain que je fais maison, j'aime bien y rajouter des graines. Donc du coup, j'en ai pris ici, ce sont des graines de tournesol. Et ici, c'est un mix, voilà, un mélange de graines. Des petites soucoupes comme ça, Inès adore ça. Donc ce sera également pour sa soirée pyjama, des chamallows. Ici, on a pris des faux ongles. Voilà, pour qu'elle se fasse un petit atelier faux ongles. Des serviettes de table, voilà. Elles sont très très jolies celles-ci, c'est Inès qui les a choisies. Oui. Moi aussi, je pourrais manger les chamallows. Mais oui, tu pourras. T'inquiète. Nous aussi, on va se faire notre soirée pyjama une fois que les filles elles seront tranquilles dans leur chambre. Hein? T'en prends qu'un. Allez, je vais tout ranger et puis ensuite préparer à manger. Et ce soir, donc en début de soirée, je vais commencer à préparer les meringues pour demain. Thank you.
just like a dream. Yeah, you and me. Can't help but feel so unreal. Stay high with you. Your silhouette makes me forget all of my fears. Just disappeared when I'm with you. Donc j'ai pris des petits bandeaux comme ça pour les cheveux lorsqu'on se fait des soins chez Action. Ici on a des masques pour les lèvres, des masques visage, du baume à lèvres. Ici on a des petits bracelets colorés, là vous savez les trucs qui font la lumière à la nuit. Des exfoliants, donc un au kiwi, un au melon. Ça c'est quoi Inès? Des sucettes? Oui, c'est des sucettes avec un liquide un peu. Voilà, des sucettes. Un kit de faux ongles. Ça, ce sont des éponges nettoyantes. Donc, lorsqu'elles se feront les masques, eh bien, elles pourront se nettoyer directement dans la chambre. Et des limes à ongles. Ici, on a des bonbons. Voilà. Je ne sais pas si je vais les mettre directement dans le panier, ceux-là. Parce que quand on prépare tout ça la veille, du coup, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et des Twix.